Bienvenue, ici War Surveyor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Phishing North Atlantic sur PS5. J'ai continué le jeu et les trophées, c'est parti. Alors là, je suis avec le crabe des neiges. Rendez-vous au marché. Sauvegarde automatique. Alors là, je suis à Yarkmouth. Je vais retourner au port et je vais avancer. Là, je suis au 27 octobre. Donc, je vais faire passer la durée 24 heures. 24 heures encore, 24 heures encore, 24 heures encore et 24 heures encore. Donc maintenant, comme tu peux le voir, Crabe des Neiges a commencé. Donc maintenant, je vais aller à la ville. Chantier naval. Dans la disponibilité, tu vois, le Crabe des Neiges a 6 500 000. Mais on les a pas pour l'instant. Donc on va aller acheter, à faire un crédit. Donc à la banque, emprunter ça et ça. Voilà, on a 8 millions. Et comme tu peux le voir ici, on aura tout ça à rembourser. Mais petit à petit. Donc maintenant, chantier naval disponible. Crabe des neiges, c'est celui-là. Voilà. On va commencer le tutoriel lui. Se mettre à quai. Amélioration. Pilotage automatique, on met oui. Paiement, oui. Et voilà. Donc Splendid Fisher. Donc maintenant, on va aller à l'équipement de pêche. Alors, marché. Équipement de pêche. Acheter des grands casiers. Donc, 1. 2 et 3. Sélection d'appât acheté. Les appâts 2. Voilà, je peux quitter le port. Voilà la connexion. Elle est revenue, donc je peux continuer. Donc, il est au niveau de la zone d'ancrage. Si c'est demandé si gentiment. Donc, on va aller à la berge allemande. Voilà. Et maintenant, on va aller juste ici. Voilà. Et voilà. Jusqu'à ici. Et on fait les déplacements automatiques. Le pilotage auto a commencé. Il risque d'avoir un embouteillage. On n'espère pas. Et continue ton chemin. Continue, 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 continue. Voilà. Magnifique. Même pas eu d'embouteillage. Alors là, maintenant, on va aller là. Maintenant que vous avez atteint la zone indiquée, et tant que vous familiarisez avec le contrôle de la grille. Pour ce mode subjectif. Allez, devant, on va recommencer tout. Prendre.
à casier, c'est celui-là. On va le poser ici. Et voilà. Avant d'appâter et de lâcher le casier dans la mer, vous devez couper le bloc d'appât congelé avec le hachoir à appât. C'est demandé si gentiment. Donc on va descendre. C'est reparti à nouveau. Donc on va prendre le homard. Enfin les appâts plutôt. C'est pas des homards, c'est des appâts. On va le remettre ici. On referme ça. On va voir que ça va hache. Et appâter le appât dans le casier. On va le mettre dans le casier, ça c'est fait. Tirer sur le levier, donc c'est celui-là. Et à la mer. Et voilà. Maintenant que vous avez placé votre premier casier, vous devez attendre au moins 18 heures avant de pouvoir de nouveau le remonter pour les besoins de ce tutoriel. Le temps est maintenant avancé vers. Arrêtez maintenant avancé de 20 heures. Confirmé. Le moment idéal pour essayer le casier se situe entre 18 et 24 heures après la mise à l'eau. Vous pouvez consulter la couleur de la bouée sur la carte pour veiller cette durée. Si elle est bleue, il s'agit du moment idéal pour remonter le casier. Faites-vous au wiki pour plus de détails. Alors je monte. Et je vais... ici. Et les marches arrière. Voilà, utilisez à nouveau la grue pour placer le casier sur le lance-casier.
arrêter de piloter. Le pari fit, toi. La parole à toi. Le pari fit, toi aussi. Voilà. Ensuite, on va arrêter ça. Appuyer sur le bouton jaune. Tirer juste ici. Voilà, ouvrir le casier. L'a ouvert, tirer sur le levier, la commande de lancement, voilà. Il est le casier, il y a 80. Il est vidé. Voilà. Baisser le casier à la position. Baisser le casier de la position de l'abattage. Remettre la table. Voilà. Remettre la table en place. Et le voici. Commencez à trier les crabes, placez les crabes que vous souhaitez conserver dans le réservoir et jetez les autres par-dessus bord. Les crabes mâles trop petits et les crabes femelles avec des œufs sont séparés et rejetés dans l'océan pour plus de détails pour consulter le wiki. Il s'agit de mesures pour mesurer les crabes de mâles. Les crabes de mâles. Alors, examinez le poisson. Tourner. Alors, on continue de trier tout ça. Trois. Quatre. Cinq. Donc le cinquième. Six. Sept.
gratuite. Neuf. Dix. Il faut que je descende. Onze. Douze. Donc j'appuie sur triangle pour retourner dans la cabine. Quatorze, il m'en reste encore un. Donc tout lire. Bon, il ne reste plus qu'à retourner. Et voilà, lire le message. Livrer les crabes au port. Rendez-vous au port de Yarmouth. Vous pouvez vendre des crabes que vous venez de pêcher et de stocker. Une étape de mission est ajoutée sur votre carte. Vous pouvez soit piloter jusqu'au port, soit utiliser le déplacement rapide pour atteindre Yarmouth automatique. Donc on va aller à Yarmouth. Ici, voilà. Entrée au port. Vous êtes au quai des Yarmouth, vendez votre marché en cliquant sur le bouton vendre poisson en haut. Poisson vendu, tout suffisation, vous avez vendu votre prise avec succès. Le tutoriel est terminé lorsque vous atterrez d'autres bateaux avec des méthodes de pêche différentes. Un nouveau tutoriel vous sera proposé. Voilà. On a terminé le tutoriel. Donc je vais pouvoir sauvegarder comme ça, voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo.